Hello les Wikidrummers. Alors aujourd'hui nous allons faire un récapitulatif des doigtés de base. Donc on va commencer par le frisé. Donc le frisé, c'est simplement un coup de chaque main. Donc on va commencer par la droite. On met un accent tous les quatre pour pouvoir entendre le débit. Donc nous avons aussi, je conseille aussi de travailler le frisé en commençant par la main gauche aussi, c'est pas mal pour pouvoir renforcer un petit peu au niveau de la précision et de la vitesse. Donc on va commencer par la main gauche, la même chose. Alors, petit conseil de base aussi pour travailler ces rudiments qui sont vraiment basiques. Là, je ne l'ai pas vraiment fait, mais je conseille de vraiment lever à chaque fois les mains, en fait, pour pouvoir vraiment travailler tout ce qui est l'articulation et la souplesse des poignets. Okay ? Donc, n'hésitez pas à partir vraiment de cette position-là et de remonter à chaque fois. Rudiment numéro 2, nous allons attaquer le roulé. Donc le roulé, c'est simplement deux coups de chaque main. Donc. Alors, petite astuce de travail pour le roulé. Moi, j'ai travaillé en mettant l'accent sur le deuxième coup, comme ça. Comme pour le frisé, je conseille de le travailler aussi en commençant par la main gauche, comme ceci. Troisième façon de faire le roulé, donc en inversé. C'est-à-dire que au lieu de faire droite, droite, gauche, gauche, je fais droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche. Et j'enchaîne. Comme ceci.